Là où il n'y a pas de latrine, il faut aller en brousse. Donc pour aller jeter quelque chose en brousse, ça veut dire que cette chose-là n'est pas bonne. C'est une question d'hygiène, une question de propreté et surtout une question de santé aussi des populations. Ne yam tabinao akasan mai pifana ni mata rab ni limoko ni yaka gerana ni limoko tarasika kan ni limoko wala kana sigi dumli kan san ya dumdo ke banai ulam tafu yoro jan bon me yoram na bibina ni ala ise ken yi tiara fo me kabne lo so ngalu kono bon tiara bon ka so ni koni ale kono ale ni misika ale ke bon kal ciment ale moyen lo tinye bon ani brique kono fana ale ale konté problème yé bon misika so. C'est des petits projets que nous introduisons au niveau des villages pour avoir un développement harmonieux au niveau du village. Bon, disons que le projet de latrine rentre dans le cadre de projets de santé sanitaire pour que les gens au niveau du village puissent avoir un lieu propre, sain pour les besoins. Les familles ou les chefs de famille qui sont intéressés pour le projet doivent aller s'inscrire auprès du président du comité villageois de développement. Le chef de ménage doit soit trouver une personne qui peut creuser les trous du WC. Deuxièmement, il trouve les sables et les gravions, les agrégats pour la construction. Troisièmement, il faut qu'il nous trouve 200 briques. Une fois que ces conditions sont remplies, ASAP, à son tour, apporte une dalle et du ciment nécessaire pour la construction de la latrine et les maçons. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.